Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette rencontre du festival Jardin d'hiver dans cette forme donc atypique, sans public, mais avec deux écrivaines que je vais interroger sur la thématique que vous venez de voir, un autre regard sur la fin de vie. Marie de Henzel et Maëlys Besry sont avec nous. Marie de Henzel, vous êtes psychologue et écrivaine engagée dans les problématiques de fin de vie et vous vous êtes exprimée à plusieurs reprises tout au long de cette dernière année sur le sort réservé aux plus âgés durant cette pandémie. Vous avez fait paraître aux éditions Plomb l'adieu interdit qui rend compte de cela et dans lequel on retrouve d'ailleurs ces tribunes parues dans le Figaro et dans Le Monde. C'est un livre qui s'inscrit et qui décrit ce qui se passe dans l'actualité puisque vous avez suivi les effets et l'impact de certaines des mesures sanitaires sur les personnes vulnérables, les familles et leurs soignants. C'est vraiment le trois groupes de personnes que vous racontez dans l'adieu interdit autour de cette question de l'adieu qui a été impossible, où les personnes n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches et des proches qui n'ont pas pu parfois assister aux funérailles. C'est aussi la question des rites et qu'est-ce que cela devient quand les rites ne sont plus possibles que vous posez dans ce livre. On aura l'occasion d'y revenir avec vous et avec vous, Maëlys Besry. Vous êtes avec nous ici au Champ Libre, productrice radio, et vous êtes l'autrice d'un premier roman, Le Tiers-Temps, qui a été récompensé par le prix Goncourt du premier roman. Vous y racontez les derniers mois du plus français des Irlandais, du maître de la langue et de l'absurde, comme le présentait une émission de radio l'année de ses 80 ans, le lauréat du prix Nobel qu'il n'est pas allé chercher, et l'auteur entre autres de En attendant Godot, de l'écrivain Samuel Beckett. Vous le racontez dans ces derniers mois dans une maison de retraite parisienne à qui vous avez justement emprunté le titre « Le tiers-temps ». L'écrivain y a résidé en conservant en grande partie ses capacités intellectuelles et cognitives, mais en perdant en autonomie. Vous avez fait de ces derniers mois un roman qui oscille entre la réalité et votre imaginaire, un roman qui oscille entre le corps qui lâche et les souvenirs qui sont ravivés, puisque c'est aussi des morceaux de vie que vous nous racontez, les morceaux de vie dans cette maison de retraite et les morceaux de vie de la vie de Samuel Beckett. Et j'aimerais justement que l'on commence par cela, que vous nous disiez pourquoi ce sont ces derniers mois de juillet à décembre 1989 que vous avez choisi de mettre en roman. Ce qui m'intéressait, c'était aussi de raconter la vieillesse et d'imaginer qu'en commençant justement par les derniers jours, par la fin, il pouvait y avoir comme ça une mémoire qui revient par fragments. J'aimais bien l'idée du désordre de la mémoire. Je trouvais que c'était finalement assez, aussi une manière créative d'appréhender aussi la langue, les souvenirs, que de justement les avoir par bribes, que la sensibilité du vieil homme était aussi quelque chose un peu à fleur de peau, que cette fin de vie ravivait une sorte d'humanité qui finalement définissait toutes les autres. Il y avait une sorte comme ça de beauté de la vieillesse qui est souvent racontée exclusivement comme un naufrage, alors que, en tout cas moi, mon expérience, c'est aussi un âge de la vie extrêmement touchant où justement l'approche de la mort rend tout ce qui est dit finalement sensible. Et donc j'aimais cette sensibilité, même si parfois la mémoire se perd, même si parfois les idées vont d'une association à une autre, j'aimais cette idée d'une parole sensible, d'un retour sur l'ensemble de la vie, de l'ensemble de l'existence. Il parle notamment évidemment de sa mère, de sa femme, de ses amis, notamment avec James Joyce, l'auteur d'un Ulysse. Voilà, et j'aimais l'idée que tout ça pouvait remonter de manière pas simplement triste, mais aussi de manière extrêmement ludique et joyeuse, qu'il y avait une sorte de deuxième vie dans le fait de la revivre par la mémoire, dans cette solitude de la maison de retraite, qui est une solitude accompagnée. Avec quel matériau d'ailleurs vous avez écrit ce roman? Qu'est-ce que vous aviez qui pouvait vous indiquer ce qu'il pensait, ce qu'il vivait dans ces derniers mois de sa vie? J'avais pas tellement envie de le savoir.
C'est vraiment un roman, c'est une fiction, c'est-à-dire qu'il est assez clair dès le début que Samuel Beckett devient Sam et qu'il devient un personnage. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amusait dans l'entreprise finalement de ce roman que d'imaginer qu'il se retrouvait comme l'un de ses personnages au théâtre, c'est-à-dire un vieux monsieur qui décline, qui attend sa fin, mais qu'il le faisait avec une sorte de jouissance de celui qui a déjà pensé à cette question-là toute sa vie, qui a beaucoup écrit sur cette question, qui en a beaucoup ri, et qui finalement vit ce moment-là avec une sorte d'excitation de l'observateur qu'est l'écrivain, avec comme ça les sens aiguisés, regardant les autres au même titre que lui, en se disant « bon bah voilà, cette fois moi aussi ». Il y a pensé, avez-vous dit, puis ça va nous permettre dans un instant de faire le lien avec Marie de Henzel, mais est-ce que ce qu'il a vécu correspondait à ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait envisagé ? Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il pensait. Hein, donc, ce qu'il a vécu intimement, personne n'y a accès. C'est d'ailleurs là la liberté d'écrire, surtout la particularité à la première personne. Voilà ce que je voulais dire. Pour moi, c'était surtout une expérience empathique que d'écrire un personnage à la place d'un vieux monsieur et de me mettre, moi, à la place d'un autre qui était si différent et dont j'avais envie de raconter l'histoire. C'était une expérience complètement empathique que d'imaginer cet âge-là à la première personne. Après, on connaît de Beckett ce qu'il y a dans la grande biographie de James Nolson, notamment, qui est la biographie qu'il a autorisée de référence, mais il y a aussi ses lettres, ses correspondances, qui nous renseigne un peu sur cette période, mais très rapidement, il a écrit de moins en moins. Et donc, il y a une sorte de mystère autour de cette période de la maison de retraite et de la fin, qui permet d'imaginer que la maison de retraite était devenue une sorte de théâtre intérieur pour Beckett. Effectivement, vous en jouez, on sait qu'il écrit, mais on ne sait pas ce qu'il écrit tout le temps. Marie de Henzel, Maëlys Besseri, a parlé de Samuel Beckett, qui finalement, pendant toute sa vie, avait réfléchi à la fin de sa vie, à la manière dont il allait mourir. Et évidemment, je n'ai pu m'empêcher, en lisant ce livre, en entendant à l'instant ce que vient de dire Maëlys, de penser à ce que vous écrivez dans votre livre « L'adieu interdit », où ce sont des résidents des EHPAD, donc les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, qui ont peut-être pu penser ce qu'allait être leur fin de vie, qui se sont retrouvées complètement, tétanisées, totalement surpris par la manière dont la pandémie est venue les saisir. Est-ce que je peux juste réagir à... Je vous en prie. Sur le livre de Maëlys que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait penser, parce que vous parlez justement de souvenirs, de bribes de souvenirs. Et ça m'a, tout au long de ce livre, je me dis, ça me faisait penser à l'expérience, au livre de Jacqueline de Romilly, Révélation de la mémoire, dans lequel elle raconte à 98 ans les souvenirs très anciens qu'elle a eus, qui remontent comme ça par bribes, mais justement avec cette caractéristique que vous avez dite et qu'on sent bien, qui est la sensibilité. Ce sont les souvenirs sensibles qui reviennent au dernier moment. Et ça fait le lien peut-être avec ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces personnes âgées, quel que soit l'état dans lequel elles sont, ont une sensibilité à fleur de peau. Ce sont des personnes c'est peut-être ce qui reste, c'est-à-dire cette sensibilité aux mots, aux regards, au toucher, au lien avec les gens que l'on aime, et c'est ce lien justement et cette stimulation du sensible qui fait que des personnes très âgées restent en vie et gardent le goût de vivre. Et voilà que brutalement, du jour au lendemain, ces personnes se sont trouvées, je dirais, recluses dans leur chambre, avec interdiction de lien avec ceux avec lesquels ils étaient en lien d'habitude. Ce n'était pas forcément les enfants, mais quelquefois une voisine avec laquelle on aimait partager, on aimait parler, et n'ont vu apparaître dans leur chambre que des soignants masqués qui très rapidement venaient les nourrir ou leur faire leur toilette. Et cette désespérance qui a saisi beaucoup de ces personnes, dont il faut quand même oser dire, parce qu'on n'en parle pas, que beaucoup aussi se sont laissés mourir de solitude, de chagrin, de désespoir, ayant le sentiment que vraiment s'il fallait
vivre comme ça, ça ne valait pas le coup. Hein, et que beaucoup de personnes sont donc mortes, non pas de la Covid, mais de cette tristesse qui s'est emparée d'eux avec justement ce sentiment que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Et effectivement, et en plus, on ne saura pas s'ils sont morts de la Covid ou pas, puisque une partie de ces personnes ne sont pas comptabilisées, en tout cas n'entrent pas dans ces statistiques-là. Mais on est testé. Voilà, mais vous insistez hein, dans votre livre justement sur ça, sur la perte des repères, la perte du sens, l'incohérence, mais surtout aussi l'incompréhension pour ces personnes de pourquoi est-ce que l'on doit se confiner, pourquoi tout d'un coup toute notre vie est contrainte dans un petit espace qui est la chambre avec très peu de contact avec l'extérieur. Oui, l'incompréhension et aussi, je dirais le sentiment d'être qu'on ne tient absolument pas compte de leur avis. Il y a eu un défaut de démocratie, c'est-à-dire qu'on a imposé à des personnes sous prétexte de les protéger, des mesures avec lesquelles elles n'étaient peut-être pas du tout d'accord. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disaient clairement qu'à l'âge qu'elles avaient, avec ce qu'elles estimaient être peut-être peu de temps à vivre, eh bien, elles voulaient être partie prenante des priorités de ce temps qui leur restait à vivre, justement. Donc, on a voulu protéger la vie biologique, le corps, hein, et on n'a pas protégé la vie dans son ensemble, puisque la vie n'est pas que biologique. Moi, j'aime beaucoup cette expression de Cynthia Fleury qui rappelle que la vie est indivisible, qu'il y a une vie affective, qu'il y a une vie sensible, justement une vie relationnelle, une vie sociale, une vie spirituelle. Et tous ces aspects-là n'ont pas été du tout pris en compte, hein, comme si on n'était que des corps. Hein, des corps qui, effectivement, il fallait nourrir, laver, et puis que le reste n'était pas important. Donc, il y a eu un sentiment, oui, d'incompréhension, un sentiment de non-respect, et beaucoup, moi, je pense qu'il y a eu une régression terrible de tous les efforts que nous avons faits ces dernières années, justement, pour progresser dans le respect de ce que vivent les personnes âgées dans leur spécificité, avec des personnes devenues très vulnérables, très fragiles, mais qui ont une vie, comme Maëlys le dit très bien, qui ont une vie qui est la leur et qui a de la valeur pour eux. Tous les efforts que l'on a fait justement pour toutes ces dernières années, pour respecter aussi la dignité du mourir, tout cela s'est effondré. Alors, bien sûr, il y a eu, on ne peut pas non plus généraliser, il y a eu des endroits dans lesquels des soignants créatifs, ingénieux, ont essayé d'apporter le plus de vie possible, hein, mais il y a aussi tous les endroits dans lesquels ça n'a pas été possible. C'est la question du risque aussi, hein, là, que vous êtes en train, finalement, sans dire le mot, mais que vous êtes en train de tourner autour et qui est aussi présente dans votre livre Marie de Wenzel, c'est qu'on a dénié le droit à ces personnes de prendre des risques pour elles-mêmes. Oui, parce que je veux dire qu'on est. Il y a une chose, par exemple, que je n'ai absolument pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'on permettait à des inconnus d'entrer dans une chambre masquée, gantée, équipée, et que l'on interdisait à des proches d'arriver dans la chambre avec les mêmes protections. Ça, alors, juste pour préciser à ceux qui nous regardent, c'est ce qui s'est passé notamment lors du premier déconfinement et que vous racontez, des bénévoles ou des professionnels comme les coiffeurs pouvaient rentrer, mais pas les familles. Voilà. Alors, des inconnus pouvaient rentrer, équipés, et puis les familles, non. Et là, c'est, pour moi, je n'ai toujours pas compris que l'on ait priorisé, je dirais, des inconnus parce qu'effectivement, c'était nécessaire de venir aussi apporter des repas, de venir faire les toilettes, mais qu'on a empêché des gens dont la présence aurait permis à ces personnes de traverser cette période difficile. Car quelquefois, il suffit d'une heure avec quelqu'un que l'on aime, qui est proche, que l'on voit, avec qui que l'on connaît, avec qui on peut parler, qui est pour raviver, je dirais, la vie intérieure, l'envie de vivre, le goût de vivre.
L'envie de vivre, avez-vous dit, Marie de Henzel, Maïlys Bessery, il en est question aussi dans votre roman Le Tiers-Temps à propos de Samuel Beckett. Il prend le risque de sortir, il a ce goût encore de la vie, il a encore ses relations, une partie de ses relations avec l'extérieur, qu'il entretient malgré le personnel ou avec la complicité du personnel de la maison de retraite. Alors là, cet élan vital dont parle Marie de Henzel chez Beckett, c'est même radical chez lui, parce que lui, c'est un kamikaze. Lui, ce qu'il aime, c'est un fougueux. Et ce que j'aimais aussi, ça, c'était, j'aimais cette idée qu'il restait la même personne, en fait. Parce que derrière tout ce que dit Marie de Henzel, il y a cette idée quand même que la question de l'âge, du grand âge, tous ces termes des anciens, etc. Enfin, ce sont des personnes, en fait. Ce sont des personnes. La vieillesse, c'est juste l'état qui nous attend tous. C'est nous, c'est pas eux, c'est nous. Et donc, moi, j'aimais cette idée que Samuel Beckett, ce soit toujours le même. C'était un petit garçon extrêmement fougueux qui prenait des risques déments, qui sautait du haut des arbres. Sa mère pensait qu'il allait se tuer, tellement qu'il était casse-cou, tellement il était comme ça, nerveux. C'était un joueur de cricket, un joueur de rugby, quelqu'un qui était très sportif, très physique et très vif, très rapide. Et donc, il est toujours ça. En tout cas, il se vit toujours comme ça. Et pourtant, c'est un monsieur coincé dans un corps de vieux monsieur. Mais lui, à l'intérieur, il est toujours le même. Donc, évidemment, il aime marcher. D'ailleurs, il dit que c'est un reste de petit plaisir, comme ça. Il y a cette idée aussi de l'habitude qui le raccroche, en fait. Parce que, à travers son observation et cette manière de vivre le présent, il y a une deuxième temporalité qui existe. C'est l'idée de, finalement, de regoûter des morceaux du passé qui reviennent comme un goût de bonbon dans la bouche, quoi. Il y a quand même cette idée magnifique d'avoir déjà une vie à son actif et que ce qui reste, c'est des reviviscences comme ça. Et ces reviviscences, bien sûr, il y a des moments douloureux qui lui reviennent, mais il y a aussi finalement les souvenirs intrépides. Et donc j'aimais, d'un point de vue de l'écriture, j'aimais que les difficultés physiques soient l'occasion de rire. Il reste quand même le grand écrivain qu'il est. Donc, et en même temps, il est un vieux monsieur dans une maison de retraite à qui on parle comme on parle dans ce genre de situation. On lui parle de sa compote et on lui propose un flamby. Et lui, il est Beckett quand même. Donc il y a ce grand écart qui fait que lui ne voit aucun mépris, ni pour les gens qui sont autour de lui, les résidents, ni pour le personnel, qui le traite très bien. Mais ça le fait beaucoup rire, parce qu'il y a une sorte de grand écart entre le monde intérieur, comme ça, de Beckett et la situation banale, ordinaire, de la fin de vie, qui est ce qui nous attend tous et qu'il traverse avec une sorte justement d'un comportement extrêmement humble, comme ça, et je trouvais ça beau, finalement. Mais il a cette chance d'avoir des ressources intérieures très fortes qui lui font supporter. Oui, une volonté aussi, hein, parce qu'effectivement, vous avez parlé de la promenade, le fait de se lever. Alors certes, il y a parfois des tests d'équilibre pour jauger et juger où est-ce qu'il en est, que vous décrivez de manière assez drôle de temps à autre. Mais tant qu'il le peut, il va faire les choses sans l'aide et il demande à ne pas être aidé par le personnel. Alors, il y a cette volonté d'indépendance et en même temps, il y a un regard sur soi qui est qu'il est comme un spectateur au théâtre. Il se dit, alors, il se regarde lui-même au microscope en regardant les autres et il se dit, bah, ça y est, c'est moi l'animal en train d'être scruté, ou c'est moi la créature, ou c'est moi Victor de l'Aveyron. Voilà, il y a un côté créature comme ça. Et lui, il s'en réjouit, hein. Il regarde ses bras comme si c'était pas à lui. Il regarde, et en même temps, tout ce corps-là, il a traversé. Justement, c'est l'idée de l'Odyssée aussi, hein. Il a traversé la mer, il vient d'Irlande, il y a cette terre aussi, cette insularité qui remonte, ce tempérament. Et puis je pense qu'il y a aussi l'idée qu'il est dans un laboratoire de la vieillesse, quoi. C'est-à-dire que la structure institutionnelle est une expérience en soi de solitude. Alors là, c'est un confinement, hein. La chambre, lui, en plus, n'est pas un animal sociable, ça on le sait. Donc il se confine encore plus, c'est-à-dire qu'il reste dans sa chambre, il ne partage pas ses repas avec les autres. Mais en même temps, on sent qu'il a plaisir à avoir les gens autour. Donc il y a quand même cette promiscuité des murs qui le gêne un peu, parce qu'il entend ses voisins, il entend cette voisine un peu bruyante. Qui le gêne un peu. Comment est-ce qu'il appelle sa voisine de chambre qui est bruyante ? La doyenne mitoyenne. Ouais, encore c'est gentil, hein. Il y a la vieille bique, il y a tout un vocabulaire comme ça qui passe pour la décrire parce qu'elle fait trop de bruit. Mais ça lui plaît parce qu'en même temps, c'est vivant. Voilà, il y a cette idée de vie autour de lui. Et en même temps, on sent qu'il est toujours un peu aussi victime d'une violence institutionnelle qui n'est pas due aux gens
qui sont très bienveillants autour de lui, mais qui est dû à la structure elle-même, au fait d'avoir son corps confié à des étrangers, de ne pas avoir le choix des mains qui sont posées sur lui. Et finalement, il vit ça, il s'en défend avec un dialogue intérieur très fort qui sublime tout ça. Il y a cette manière de transcender une situation qu'on sent quand même complexe, mais il y a aussi, je pense, cette idée qu'on se regarde presque d'en haut, comme si ce n'était pas tout à fait soi. Et c'est ça que j'aimais chez Beckett, cette capacité à regarder de manière lucide son corps, les dégradations, mais aussi à avoir une capacité à se rattacher à tout le reste, à la vie, à ces questions universelles que sont celles de la vie et de la mort, de la fin. Est-ce que c'est aussi que d'être le seul vivant des gens qu'on a aimés et connus? Parce que je pense que la question de la fin de vie, c'est aussi celle-là. Celle de demeurer, surtout quand on a un vieil homme qui n'a pas eu d'enfant, ce qui a été son cas. Il y a la question de la solitude, mais pas la solitude du moment, la solitude existentielle. Marie de Henzel, alors là, il y a évidemment beaucoup de questions par rapport à ce que vient de dire Maëlys Messri, et notamment le fait que l'histoire de Samuel Beckett, c'est en 1989, je reprends peut-être les termes de laboratoire, ou le fait que des mains étrangères viennent toucher notre corps, et quelle est notre volonté, qu'est-ce que l'on peut dire 30 ans plus tard, 32 ans plus tard, est-ce que finalement les propos que vient de tenir Maëlys Messri sont toujours d'actualité pour vous? Vous voulez dire que cette violence institutionnelle... Oui, je n'osais pas le dire, mais oui. Oui, bien sûr, elle existe. C'est un... Mais alors, il y a effectivement chez les personnes âgées, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui la vivent très mal, cette violence institutionnelle, qui refusent finalement cette perte d'autonomie, qui refusent de confier leur corps aux mains des autres, qui refusent de ne plus pouvoir faire ce que l'on faisait avant. Et c'est vrai qu'on observe souvent chez ces personnes un repli sur soi, une désespérance. Il y a une vieillesse, il faut le dire, il y a une vieillesse qui est tourmentée, qui est à cause de cette non-acceptation quand même de la diminution physique, qui ne veut pas dire diminution. Justement, vous l'avez bien dit, du reste, c'est-à-dire la curiosité d'esprit, la jeunesse du cœur, l'envie, la vitalité, l'envie de... et puis vous avez des personnes qui ont trouvé en elles-mêmes la clé, c'est-à-dire au fond c'est un mot un peu banal, très, très fourre-tout, à la mode, lâcher prise, mais qui a une vraie réalité chez les personnes âgées, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, et de confier son corps aux mains des autres, et de le faire avec grâce. Et c'est vrai que quand les soignants disent eux-mêmes que quand une personne très âgée confie son corps, il y a dans cet abandon gracieux quelque chose qui fait appel chez eux à ce qu'il y a de plus humain et de plus empathique. C'est-à-dire qu'on met toute son humanité dans ses mains quand on sent que quelqu'un, finalement, est très vulnérable et s'abandonne. Alors qu'une personne qui est agressive, qui ne supporte pas qu'on la touche, c'est une personne qui va générer peu à peu une certaine violence en retour, dont les soignants, d'ailleurs, ne sont même pas conscients, souvent. Mais il y a une forme de liberté. Et c'est ce que j'enseigne moi-même quand je fais des séminaires sur le bien vieillir avec des personnes beaucoup plus jeunes. Mais nous réfléchissons à comment nous pourrions vivre une perte d'autonomie. Eh bien, nous avons une liberté qui est d'accueillir celui qui prend soin de nous et de lui confier notre corps pour qu'il puisse... Et il y a une rencontre à ce moment-là entre la personne vulnérable et l'aidant. Il y a une rencontre qui peut être très humaine et très riche. Et moi, j'ai observé cela. J'ai observé ces deux manières de vivre quelque chose que nous redoutons tous, c'est-à-dire la perte d'autonomie. Je crois que c'est la peur la plus profonde dans notre société, qui est une société qui a valorisé beaucoup l'autonomie et l'indépendance. Et donc, il y a tout un chemin d'évolution. Et c'est pour ça que
Je trouve que les personnes âgées sont actuellement presque des maîtres dans la façon de vivre un temps contraint. Nous sommes dans un temps contraint avec ce qui nous arrive en ce moment. Hein, et eux sont contraints déjà depuis longtemps, souvent. Et leur manière de vivre les choses est un enseignement. Vous avez parlé de la rencontre entre le soignant et puis la personne résidente des EHPAD. Vous voulez ah oui, ça m'inspire quelque chose, Marie Denzel, dans votre livre « L'adieu interdit ». Il y a ce passage très émouvant où vous racontez à quel point le personnel de soins palliatifs aime son travail. Et c'est quelque chose de très partagé de par ce qu'ils reçoivent justement et de ces moments de grâce qui existent avec justement les personnes en fin de vie. Oui. C'est vrai que les soignants en soins palliatifs ont souvent dit qu'ils recevaient énormément de ce travail. C'est une vraie expérience que de s'occuper de personnes vulnérables et de le vivre comme une expérience enrichissante. Mais on est deux pour ça, c'est-à-dire qu'il faut que la personne vulnérable effectivement sente qu'il y a là un enjeu humain très important. Et notre société s'intéresse pas tellement à ça, hein, parce que on est dans un monde dans lequel il faut tout maîtriser, tout contrôler, et les personnes âgées sont dans un autre monde où elles ne peuvent plus tout contrôler, tout. Et elle nous enseigne. Et il peut y avoir un vrai plaisir, effectivement. Et c'est où on dit souvent qui accompagne qui. Hein, on sait très bien que celui qui donne est en fait celui qui reçoit aussi. C'est un vrai mystère, là, que découvrent ceux qui rentrent dans ce monde. Et je pense que ça fait partie de la formation, certainement, des soignants, que de les ouvrir à cette dimension. Moi, j'aime beaucoup ce que vient de dire Marie Denzel, parce que cette idée aussi, premièrement, d'affronter la mort, vous en parlez aussi dans votre livre du tabou, de la peur aussi autour de la mort, et sur cette question de temporalité. Tabou, hein, tabou de la vieillesse et tabou de la mort. Et tabou de la mort et la question de la temporalité. Moi, c'est deux choses qui ont été vraiment des matériaux d'écriture importants, parce que je trouvais que justement que ce flottement autour des souvenirs, des oublis, de la mémoire qui se délite, des capacités cognitives qui s'étiolent, mais aussi justement cette question de la mort qui est une question éternelle chez Beckett. Lui, il se pose la question de la mort depuis sa naissance, comme nous tous, mais lui, de manière, c'est son sujet d'écriture, c'est son motif, c'est sa manière d'être en tant qu'écrivain. Donc finalement, il arrive sur son terrain, d'une certaine manière. Mais il arrive dans son terrain avec, justement, une sorte de flottement que moi, je trouve aussi très poétique, finalement, ce rapport au temps qui va être des temps de répétition, des temps, justement, de rituel, quelque chose de l'ordre du tout petit plaisir, du tout petit plaisir quotidien, dont il rigole lui-même en se disant, voilà, on fait des folies, là, vraiment, enfin, voilà. Il y a quelque chose, comme ça, d'une forme de... Je dirais de rapport au monde poétique en soi, c'est-à-dire que tout est transformé, il y a un changement d'échelle globale, le tout petit pas qui lui permet d'arriver jusqu'à l'escabeau et jusqu'à de monter dans sa baignoire seule, c'est une sorte de marathon comme ça, et il en rit beaucoup. Qu'est-ce qu'il en est resté ? Oui, pardon, vous voulez rajouter quelque chose, Marie Denzel ? Oui, parce que je pense que. Vous avez parlé justement de ce rapport à la mort. Nous sommes dans une société qui dénie la mort. Et moi, je trouve qu'il faut que tous les médecins et tous ces médecins qui sont en train de s'exprimer largement sur tous les plateaux de télévision aujourd'hui devraient lire votre livre. Parce qu'ils verraient là comment vit une ce que vous prêtez donc à Samuel Beckett, aussi comment un vieil homme qui ne met pas la question de la mort de côté, comment il peut justement goûter, comme vous le dites, savourer la vie dans les petites choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un tel déni de la mort qu'on la cache, qu'il n'y a aucune réflexion sur le sens d'une vie
qui se sait mortel. Moi, je pense qu'il y a votre livre, il fait partie des livres qu'on devrait, je dirais, qui devrait enseigner ce que j'appelle une pédagogie de la finitude. Il devrait y avoir une pédagogie de la finitude, et elle n'est pas, on l'a pas dans notre société. On devrait l'avoir au niveau des jeunes, au niveau des adultes, des médecins. C'est notre, voilà, nous sommes mortels, nous mourrons un jour, les gens que nous aimons mourront, et cette, quand on est conscient de cela, non seulement ça ne déprime pas, mais au contraire, ça permet peut-être justement d'apprécier la vie dans ce qu'elle a, je dirais, d'essentiel, et souvent dans les petites choses. On voit bien que chez les personnes âgées, ce sont les petits plaisirs, et vous avez tout à fait raison, c'est ça qu'on voit, les petits plaisirs qui remplissent une journée. Et il y a un rapport au temps là aussi qui est tout à fait extraordinaire. Moi, je me souviens d'une personne qui m'avait dit, vous savez, moi, madame, il suffit d'un sourire le matin, je vais vivre avec ce sourire toute la journée. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de prolonger un très court moment qui va occuper tout l'espace de la journée parce qu'il a été source de bonheur pendant quelques secondes. Voilà, ça c'est très important. Et ça, on ne peut le faire que si on n'a pas peur de la perspective de la mort. Et qu'en a-t-il été justement dans cette période, depuis que nous vivons depuis près d'une année, où les morts sont des chiffres et où la rencontre entre le soignant et puis les résidents s'est trouvée totalement transformée par la question du virus? Oui, ben je pense que ça révèle, en tout cas cette période révèle notre rapport, un rapport à la mort qui est un rapport qui est vraiment pathologique, c'est-à-dire que on est, moi je dis dans une formule que j'ai eue dans mes tribunes, la société est thanatophobe et mortifère, elle a peur de la mort et elle porte la mort du coup, hein, parce que c'est seulement si on n'a pas peur de la mort et que on, bien sûr personne n'a envie de mourir, mais nous savons tous que nous allons mourir, donc elle fait partie de notre vie, de notre destin, et à partir de là justement, eh bien, on peut se rendre compte de la valeur de la vie et peut-être qu'on va moins porter la mort, être moins, justement, se sentir vraiment où est la vie, qu'est-ce que c'est que d'être vraiment vivant. Vous voyez, ces questions-là, je trouve que la période que nous vivons, elle pose ces questions-là, elle les pose vraiment, je dirais dans les familles, mais enfin, bien sûr dans les EHPAD, dans les hôpitaux, partout, c'est... Il y a un retour à l'essentiel. Alors, j'espère qu'on sortira de cette période difficile en ayant peut-être progressé sur cette méditation sur la finitude. Maëlys Besserie. Oui, dans votre livre, il y a cette réflexion sur les morts du Covid et le fait que les familles n'aient pas pu accompagner, ni même voir le corps de leurs proches, ni même les enterrer à certaines périodes. Et ça, c'est terrible, cette réflexion sur le corps, le deuil, comme si il n'y avait plus besoin du rituel, en tout cas qu'il était bien moins important que bien d'autres choses, puisque vous montrez par A plus B de manière assez simple qu'en réalité il n'y avait pas plus de risque de contagion avec le respect d'un certain nombre de gestes que probablement pour d'autres événements qui avaient lieu autres que les enterrements ou en tout cas les dernières visites, et l'aspect vertigineux que ça représente dans l'incapacité à faire un deuil, à dire au revoir, mais aussi ce que l'on vole à ces personnes qui meurent seules. C'est effectivement le cœur du livre de Marie de Henzel. Votre réponse ? Oui, j'ai dit qu'on avait volé leur mort aux mourants et aussi l'expérience de l'accompagnement à leurs proches. Pourquoi est-ce qu'on a volé leur mort aux mourants ? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans les 10 années où j'ai été psychologue en soins palliatifs, c'est que les derniers moments de la vie, et les derniers moments, c'est pas les 5 dernières minutes, ce sont les semaines ou les jours qui précèdent. Eh bien, quand quelqu'un sent qu'il va mourir, les gens sentent bien dans leur corps qu'ils s'acheminent vers la mort, à ce moment-là, il y a souvent un regain d'énergie. C'est ce que Michel de Muzan appelait la dernière tâche qu'un mourant doit accomplir avec cette énergie qui lui arrive, qu'il appelle le travail du trépas.
c'est-à-dire comme une tentative, dit-il, de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui sent qu'il va mourir, eh bien, il va avoir un... Et moi, je l'ai observé, mais vous ne pouvez pas savoir, un nombre de fois incalculable. Tout d'un coup, un regain d'énergie qui va être mis au service d'une dernière parole, d'une dernière lettre que l'on va écrire ou d'un dernier message que l'on va laisser sur un enregistreur destiné à quelqu'un qui n'est pas venu. Ça va être les derniers regards, les derniers contacts, les derniers pardons, les dernières recommandations ou encouragements pour des petits-enfants, tout ce que l'on a à transmettre. Tout cela, c'est quelque chose qui se vit dans les derniers moments et qui n'a pas été possible là. Donc ces personnes seules, qui n'ont pas pu, parce que les proches n'étaient pas là, je dirais, effectuer ce travail, quand on imagine cette solitude et cette impossibilité d'aller au bout, d'accomplir sa vie, vraiment, on imagine le chagrin et le désespoir que ça a dû être, et les proches aussi qui n'ont pas pu participer à ce rituel, parce que si nous acceptons la mort dans nos vies, c'est bien parce qu'il y a ce rituel de l'accompagnement, ce rituel de l'au revoir, dire au revoir à quelqu'un, ce rituel de l'adieu au visage, aussi constater la mort. On sait que c'est très difficile de faire son deuil quand on n'a pas pu faire cela, de se réunir autour du cercueil, en famille, de pouvoir... et puis d'assister à des funérailles dignes de ce nom, c'est-à-dire où on peut se réunir à plusieurs, je dirais, rendre hommage. Eh bien, tout cela n'a pas eu lieu. Et tout cela, aujourd'hui, génère, mais là aussi, personne n'en parle, génère des dépressions qui sont liées à des deuils impossibles à faire. On parle beaucoup en ce moment du nombre de gens qui sont dans les consultations de psychologie, des gens déprimés, mais combien de personnes parmi ces gens déprimés sont des personnes qui ont perdu un proche et qui n'ont pas pu lui dire au revoir? Vous voyez, on ne fait pas le lien. C'est pour ça que c'est si grave de ne pas réaliser que ce qui s'est passé là ne doit plus se reproduire. Parce que c'était évitable lors du premier confinement, lors des premiers mois où on était pris de vitesse et surpris et face à un inconnu qui était la vie de ce virus. Eh bien, je vais vous répondre oui. Parce que dans mon livre, j'ai deux grands chapitres. Quand la peur a raison de l'humain et quand l'humain a raison de la peur. Avec les mêmes consignes, et je vous rappelle qu'il n'y avait aucun fondement juridique à ces interdictions, avec les mêmes consignes sanitaires, vous avez des gens qui ont fermé les EHPAD, qui ont été extrêmement stricts et inhumains, et puis vous avez des personnes qui ont contourné les mesures, qui ont cherché tous les moyens de permettre à quelqu'un de venir quand même. Donc on voit bien qu'il y a des gens chez qui l'éthique et le sens de l'humain a été plus fort que la peur. Vous avez raconté cette scène dans votre livre magnifique de cette directrice d'EHPAD qui laisse une femme enlacer sa mère alors qu'elle est censée rester à un mètre. Oui, exactement. Et cette directrice que j'ai eue au téléphone m'a dit « Je me suis culpabilisée longtemps et puis maintenant je sais que j'ai eu raison. J'ai eu raison de suivre les élans de mon cœur et je ne pouvais pas empêcher cela. » Donc il y a eu foule de soignants et de responsables d'EHPAD qui ont su, je dirais, suivre leur sens humain, leur sens éthique, hein, et puis d'autres, malheureusement, qui ont été submergés par la peur. Et c'est vrai que au début, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de... c'est vrai que c'était très difficile, c'était au début. Mais moi, j'ai beaucoup d'estime, de reconnaissance pour tous ces soignants qui se sont ingéniés tout en respectant quand même le maximum les mesures destinées à protéger, ont trouvé le moyen quand même, je dirais, d'enfreindre ces consignes.
Mais pas simple, hein, parce qu'effectivement, il y a tout un cœur du livre qui est sur les soignants, entre les directives de l'État, les directives des agences régionales de santé, parfois des groupes propriétaires des EHPAD, et puis de l'autre côté, les demandes des familles, et le temps dont les soignants, tout simplement, pouvaient avoir pour réfléchir. Pas simple de trouver le juste milieu, pas simple de se dire qu'on va enfreindre ici ou là, on va s'arranger en tous les cas avec des directives, parce qu'on trouve que c'est important et qu'il faut laisser la famille accéder aux membres qui va décéder prochainement. Non, ce n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple, mais j'ai montré que certains l'avaient fait. Voilà. J'ai donné des exemples, hein, que certains l'avaient fait. Et voilà, je pense que il faut, c'est vraiment quelque chose qui, ce sont, je dirais, des sentinelles d'humanité. Je les ai nommées comme ça. Voilà, c'est un... Alors, ce que j'ai observé, c'est quand même qu'il y a eu, après la publication de ce livre et avant le deuxième confinement, une parole publique le président de la République s'est engagé pour que les visites soient maintenues, pour qu'on ne laisse pas, on n'empêche pas quelqu'un de venir dire au revoir à un mourant. Et je vois que malheureusement, tout le monde, vous avez sans doute vu le témoignage de Stéphanie Bataille sur les écrans, sur les plateaux de télévision, dans les émissions de radio, qui raconte que c'était en janvier, c'était début janvier, qu'elle n'a pas pu dire au revoir à son père qui l'a réclamé à corps et à cri. Donc là, quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit, alors zut, on a donc pas tenu compte de ce que j'avais dénoncé, et que puisqu'on a l'impression d'une régression, qu'on revient en arrière. Là, c'est la peur qui l'a emporté, parce que faut raconter même plus tôt, hein, lors du premier déconfinement, toutes les portes des EHPAD ne sont pas ouvertes, et vous racontez aussi à plusieurs moments dans votre livre la manière dont les opérateurs funéraires se sont comportés, là aussi avec une grande inégalité suivant les personnes, tout simplement, et les structures qui étaient là. Oui, là aussi c'est intéressant que dans le monde funéraire, il y a eu effectivement deux poids deux mesures avec les mêmes consignes. Hein, vous aviez des opérateurs funéraires qui ne voulaient même pas toucher le cercueil, comme si un cercueil était contagieux, ce qui est quand même... Et puis, cette mesure complètement aberrante de mise en bière immédiate, comme si un cadavre pouvait être plus contaminant qu'un corps vivant atteint du Covid. Parce que ces personnes, quand elles étaient vivantes et malades, on leur faisait leur toilette. On les abandonnait pas dans leur lit, donc on les touchait. Comment est-ce que tout d'un coup, parce que la mort est arrivée, leur cadavre devient plus contagieux que lorsqu'ils étaient vivants? C'est une aberration totale, c'est complètement irrationnel. Et vous voyez, ce qui a manqué, c'est une réflexion éthique, parce que ce que je dis là, qui est pointé l'irrationalité de certaines mesures, personne n'a été là pour dire c'est complètement irrationnel. Il n'y a pas eu de veille éthique. C'est effectivement l'un des mots de votre livre. Et puis, on va renvoyer une rencontre que l'on a tenue ici, avec notamment la présence de Karine Lefebvre, que vous citez à plusieurs reprises dans votre livre, hein, qui est membre du Conseil consultatif national d'éthique. Mais c'est la question que vous posez, hein, la question de l'éthique d'urgence et même du temps, d'ailleurs, quand on est dans l'urgence et quand on est devant ce nombre de morts colossal et cet inconnu, comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Mais c'est vraiment très important. Je veux dire que, alors, c'est un travail, hein, c'est un travail à faire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, bien sûr, hein, mais il faut vraiment y réfléchir, et ça fait partie, certainement. Il va y avoir, de toute façon, une réflexion avec un peu de recul sur ce qui s'est passé, sur c'est un peu tôt maintenant, parce qu'on est encore dedans, hein, un peu tôt de voir, mais il faut absolument faire un état des lieux de ce qui s'est passé, en tirer les leçons. À la fin de mon livre, je donne des pistes, effectivement, je pense que... Et puis aussi, il y a certainement quelque chose au niveau de la société aussi qui je pense, est en train d'évoluer. C'est-à-dire que je le vois bien en parlant, pas seulement avec des personnes de plus de 60 ans, des personnes
mais aussi avec des plus jeunes, qu'il y a vraiment une nécessité de réfléchir à la question de la mort. Parce que c'est un... Et ça, j'espère que c'est quelque chose qui se fera, c'est-à-dire de ne pas la mettre de côté et de se dire que, voilà, c'est cette conscience de notre finitude, elle est à la racine de notre humanité. C'est parce que nous savons que nous ne serons pas toujours là, que les gens que nous aimons ne seront pas toujours là, que nous pouvons être plus humains. Et quand on oublie ça, quand on oublie la mort, qu'on essaye de l'écarter, qu'on la met dans un placard, c'est là qu'on entre dans des comportements qui frisent l'inhumanité. Transition peut-être pas très habile, mais pour revenir à vous, Maëlys Bessery, sur le tiers-temps, en reprenant ce que vient de dire comme Marie de Henzel sur cette question de la mort, ce rapport à la mort. On a parlé avec Samuel Beckett de cette voisine encombrante par les bruits qu'elle peut produire, sauf qu'à un moment, elle décède. Et là, Samuel Beckett, il change aussi son regard sur lui et sur sa voisine au moment de la mort. Je ne sais pas si le regard change. Il y a une différence entre... la compagne de l'autre côté du mur, c'est-à-dire qu'il se retrouve quand même dans cette situation d'avoir accès à l'intimité. Finalement, il est l'écrivain, les écrivains sont toujours un peu des voyeurs, d'une certaine manière, et il se retrouve alors auditeur plutôt de sa voisine de l'autre côté du mur, et il est curieux de ça, ça lui plaît un peu parce qu'il a accès à des sortes, voilà, des moments où elle se parle toute seule, où elle, voilà, et en même temps, il est gêné de cette situation-là, ça le met dans une situation humaine un peu compliquée. Donc, il a des pseudo-agacements, en même temps, il s'imagine comme marié avec elle, malgré lui, quoi. C'est une sorte de mariage à travers les murs. Donc il y a une sorte de complicité qui se tisse, alors même que c'est un personnage qui a un rapport aux autres assez complexe, parce qu'il y a un côté sauvage chez Beckett, il a un côté reclus, c'est un personnage intérieur, essentiellement intérieur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de liens d'amitié, mais aussi des liens amoureux très forts, qui sont passés beaucoup par l'écriture, les correspondances. Il a eu une correspondance incroyablement riche et longue avec beaucoup de gens à travers le monde. Il y a une correspondance qui existe donc en français et en anglais et qui justement montre le souci de ses amis, le fait qu'il ait aidé et énormément de gens, y compris financièrement, des gens au parcours étonnant d'ailleurs. Il a eu des liens très surprenants, Beckett, avec un prisonnier américain, avec des gens comme ça de son entourage. Donc il y a ce lien très fort à des figures très différentes de l'humanité qui pourrait paraître très loin de lui, et en même temps on sent que le rapport aux autres, il ne faut pas qu'il soit trop près. Donc il y a quand même ce truc. Et pour revenir à ces questions liées à la fin de vie et à la mort, moi je suis très sensible à ce que vient dire Marie de Henzel, et je pense que l'art et la création, ce rapport justement à la mort et à la vie, ce sont des questions que la création prend de plein fouet, dont elle s'empare et qui sont essentielles. C'est presque le point de départ de la création, la question de la trace, la question de la sublimation. Beckett, si sa fin de vie est d'une certaine manière une sorte de déchéance joyeuse, si on peut dire, c'est parce qu'il a aussi en lui... toute cette beauté de l'art qu'il a pu traverser, c'est-à-dire la peinture qui est essentielle dans la vie de Beckett, la musique, Schubert notamment, mais pas exclusivement, la musique très importante pour Beckett, et évidemment la littérature. Donc il a en lui un monde qui lui permet d'avancer tranquillement vers la fin, puisque au fond, il a accepté cette situation dès le départ. Il est dans la situation d'un créateur qui, en réalité, est mort tout petit. On voit qu'il y a eu des blessures très fortes dans l'enfance qui l'ont obligé à mourir et à renaître en tant qu'écrivain. Donc, au fond, il est déjà parti depuis longtemps. Il est parti d'Irlande, il est parti de sa vie, il est parti de tout. C'est un exilé. C'est un exilé. Et donc, cette vie littéraire qui s'offre à lui, elle est déjà l'acceptation de la mort. Elle est déjà un rapport à la mort. Elle est déjà, en même temps, une manière de vivre doublée, quoi. C'est un peu ce que,
quand Duras disait que c'était cette autre vie que permet l'écriture, lui, il est riche de ces deux vies-là, de sa vie d'homme, de sa vie d'écrivain. Et finalement, il arrive sereinement vers la fin, et ce qui remonte chez lui, ce sont aussi les mots des écrivains qu'il a lus et qu'il a aimés, les mots de Wilde, les mots de Joyce, qui lui arrivent comme des petites prières à lui, l'athée, qui doit quand même appréhender sa fin de vie. Il a ces mots-là de la littérature qui lui servent de prière. Je propose de nous lire un extrait de votre livre, Le tiers-temps, que l'on entend aussi votre langue, parce que c'était aussi sans doute l'un des défis, écrire sur Samuel Beckett, tout en trouvant votre propre langue, ne pas être écrasé par ce monstre littéraire-là. Comme il pense dans mon livre, il y a une forme de liberté qui était prise dès le départ. Il n'était pas question d'écrire comme Beckett, il était question de penser librement à l'intérieur de sa tête. Voilà. Au tiers-temps, 29 juillet 1989. Je suis dans ma chambre. Intérieur avec lit, table de chevet, commode, étagère, réfrigérateur d'appoint procuré par l'indéfectible Edith, indéfectible amie. Traductrice hors pair. Devant la fenêtre, table pour écrire quelques nouvelles et téléphone couleur crème. C'est à peu près tout. Le décor n'aurait pas été pour déplaire à ma mère, aussi gaie que sa chambre, fantaisie protestante. Cette chambre n'est pas vraiment la mienne, ce n'est pas ma chambre. C'est là qu'on me garde, là que je réside, que je reçois désormais mes lettres. Mon lit est coiffé d'un lustre chandelier à trois ampoules, maintenu au plafond par une chaîne. À chaque mouvement dans les étages supérieurs, il menace de céder. S'il venait à s'affaisser, ce serait la fin. Toujours des promesses. Il dégringolerait, m'achèverait subitement, une fin prompte, un accident fortuit, inespéré. Ce n'est pas l'aventure tous les jours, quelques lignes dans le journal, des lustres qu'on n'avait pas vu l'ombre d'un Irlandais, il n'est plus que l'ombre de lui-même, se faire étriller de la sorte. Pour l'heure, la lumière est encore. Elle plane au-dessus de ma cervelle molle. Lorsque j'allume le lustre, autour de 18 heures, ma chambre se charge de fauve. Je veux parler de la couleur. Ça arrange bien le papier peint, cette lumière. Ça libère, le jaune crasseux en devient presque bol ou mauve. Quand je suis à ma table, autour de 18 heures, je contemple la lune si le ciel est sans nuages. La lune se pose sur moi comme au bord du lac de Glendilock. Mon père ébouriffe ma chevelure de hérisson, en silence. La nuit se pose, en silence. Nous la regardons se poser et nous attendons. Nous attendons toujours alors que la lumière décline. That's it. Voilà ce que dit mon père. Ça y est, c'est bientôt la fin. Les nuages roses vont disparaître derrière les montagnes de Wicklow. Il est temps de rentrer, de redescendre. L'obscurité a changé les sentiers. Mon père entoure ma main de sa ceinture et me guide. Nous sommes deux aveugles dans la forêt. Je me laisse mener par la sangle. J'enjambe pour ne pas buter contre des racines. J'enjambe la nuit de mes galoches. La nuit immense me relie à mon père. En silence. Mon père est un hibou dans la nuit. La lune lui suffit. À notre retour, ma mère meille en rage. Elle écume. Elle foudroie. Ma mère foudroie toujours quand elle s'inquiète. Quelques minutes avant que ça ne soit la nuit au bord du lac de Glendilock, avant que la lune ne se pose, May se tait. Silence heureux, silence qui précède le tonnerre. Ce soir, la lune est rousse. J'ai mal à la jambe. Je me penche sur ma table pour regarder la lune rousse, la lune miel. Je suis dans la chambre de Joyce. Merci beaucoup, Maëlys Besky, pour cet extrait du tiers-temps. Et alors, j'ai relevé plusieurs questions par rapport à cette double page que vous venez de nous lire. Et notamment, cette chambre n'est pas la mienne, c'est là que l'on me garde. Ça montre aussi jusqu'où est-ce qu'il investit ou il n'investit pas ce lieu. C'est l'inquiétante étrangeté de cette situation. La jeunesse éternelle à l'intérieur de soi. Moi, j'aimais bien cette idée que l'esprit est resté extrêmement vif et d'une manière qui était un peu détachée de ce corps qui ralentit. J'aimais même l'idée que ce soit inversement proportionnel, vous voyez, comme une espèce de mathématique comme ça, un peu étrange. Là, il se retrouve finalement, lui, dans une présence de sa chambre comme ça, et au fond, plus rien ne ressemble à ce qu'il a toujours vécu.
Et quand on a lu la prose de Beckett, Molloy notamment, il y a cette idée que c'est presque comme s'il y avait eu un cataclysme. C'est la fin du monde. On arrive dans cette chambre et on se demande bien comment on a pu en arriver là. Voilà. Et cette question-là, finalement... Tout le livre, ça. C'est tout le livre. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là et comment est-ce que Beckett peut se retrouver à vivre ce que vit tout le monde. Et en même temps, cette situation, elle est finalement... C'est une question très ample que celle de la simplicité d'un corps qui va mourir, comme n'importe quel être vivant. Donc il y a la simplicité de la plante verte dans cette histoire-là et la complexité, finalement, d'une existence entremêlée avec... l'ensemble des questions qu'ont traversé l'humanité, surtout pour un esprit comme celui de Beckett. Beckett, il vient d'Irlande, mais il est protestant. Donc, il est déjà dans un pays majoritairement catholique. Donc, il vient d'une minorité, une minorité qui a vécu justement en tant que minorité dans cette Irlande-là. Il a voyagé à travers le monde, il a vécu à Londres, il a vécu en partie en Allemagne. Il a vécu en France la plus grande partie de sa vie. Donc, il y a eu un voyage vers d'autres langues, la découverte de nouvelles cultures et d'autres vies à l'intérieur de la sienne. De même qu'il va prendre un coup de couteau. 1938, déjà à Paris, qui l'emmène déjà à l'hôpital, l'hôpital Brossé. Absolument, qui va changer sa vie aussi. Donc, c'est comme s'il était... il y avait eu mort et résurrection plusieurs fois pour Beckett. Voilà. Donc, finalement, dans cette chambre-là, à travers la question de la chambre, il se pose deux questions. Premièrement, la question de la chambre originelle, mais la question, donc une question finalement psychanalytique vertigineuse, notamment la chambre originelle de l'écriture. Quand la guerre a été finie, il est rentré chez lui en Irlande. Il n'avait pas vu sa mère depuis 6 ans, sa mère avec qui il a eu des rapports très compliqués. Quand il s'est battu très longtemps contre justement des démons intérieurs qui l'ont rongé. Et Beckett, finalement, dans cette chambre, dans la chambre de sa mère, découvre à une sorte de révélation, de vision. Et ça, il l'a raconté. Hein. Il se dit que finalement, il va écrire avec ça, qu'il va arrêter d'essayer de se battre contre ses démons, mais qu'il va les utiliser pour écrire. Et donc, la chambre, là, le retour à la chambre, cette nouvelle chambre-là, il se dit, c'est la chambre de quoi, finalement ? Voilà. Mais en même temps, il n'y a pas de tristesse, parce que tous les scénarios sont possibles. Peut-être que je vais mourir de ça, du chandelier sur la tête. Peut-être que je vais mourir d'autre chose. Mais ça n'est pas appréhendé avec une grande sagesse, en fait. Il y a une grande acceptation de cette condition-là. Et en même temps, l'idée de la chambre, finalement, c'est comme s'il se retrouvait à nouveau dans la situation du nourrisson. Donc, il y a comme une boucle, comme ça, très beckettienne. Et ça me plaisait de la faire revivre, d'autant plus que la chambre de la maison de retraite, on n'est pas encore dans un EHPAD en 89. Mais quand même, c'est toujours un peu la même chose. C'est quelque chose de très, très simple. Voilà. Et lui, évidemment, il rit de son protestantisme à l'intérieur de ça. Marie de Henzel, la question de la chambre, justement, sur cette dernière année pour ces résidents qui se sont retrouvés complètement cloîtrés. Hein. Certains sont restés très longtemps avec l'impossibilité d'en sortir. Quel regard vous avez porté sur cela ? Je rappelle, hein, dans le livre de Maëlys Besser, c'est « Cette chambre n'est pas la mienne, c'est là que l'on me garde ». Et j'ai l'impression que c'est là que l'on me garde. Il a été extrêmement présent ces derniers mois. Oui. C'est ça, beaucoup de personnes se sont senties en prison. Elles le disent, je suis en prison. Il y a un détail qui m'a été donné, mais j'avais déjà écrit mon livre, mais qui m'a assez terrifiée. L'un de mes amis dont la mère était dans un EHPAD, qui m'a raconté que c'était quand même au printemps et qu'on interdisait à cette femme d'ouvrir la fenêtre. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait une crainte de suicide. On n'ouvrait pas les fenêtres dans cet EHPAD par peur que les personnes âgées se défenestrent. Et là, ça m'a horrifiée parce que je me suis dit non seulement les personnes sont cloîtrées dans leur chambre, mais on leur retire même cette liberté c'est une liberté, hein, le fait de mettre fin à sa vie, qui est ces mesures ont été liberticides jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à l'impossibilité aussi. Alors bien sûr, c'est,
il y a eu très très peu de suicides de cette façon dans les maisons de retraite, mais que l'on empêche quelqu'un d'ouvrir la fenêtre, de regarder le ciel, de respirer, alors que ces personnes ne pouvaient pas sortir. Hein. Oui, voilà, je pense que le terme de prison, beaucoup de personnes l'ont vécu ça comme une prison. Il est sûr qu'il y a aussi des personnes, mais elles sont minoritaires quand même, qui ont une vie intérieure riche, hein, comme Maïlys, je dirais, quand on lit son livre, on sent que évidemment la liberté d'une personne âgée, c'est une liberté intérieure, hein, c'est la liberté de voyager dans les souvenirs, la liberté aussi de lire, la liberté de laisser flotter sa pensée. Heureusement, des personnes qui ont eu recours à ces ressources-là. Même là, pendant ces derniers mois, parce qu'on sait quand même que le contexte très angoissant aussi peut empêcher certaines personnes justement de trouver ces échappatoires-là. Oui, mais il y en a qui l'ont, mais elles sont très minoritaires. Et si elles ont pu, c'est aussi parce qu'elles ont en amont, hein, bien en amont, cultivé une vie intérieure. Hein. Ce sont des personnes qui déjà ne sortaient pas beaucoup et étaient, je dirais, c'était accommodé d'un confinement déjà, un confinement, parce qu'elles ont justement une liberté de penser, de liberté de rêver, de donner beaucoup d'importance à des toutes petites choses, de trouver de la joie dans les tout petits détails. Je veux dire, voilà, mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Hein, nous ne sommes pas dans une société qui favorise cela, d'ailleurs. C'est pour ça que dans l'expérience de vieillir, dans l'apprentissage de la vieillesse, parce que moi je suis quand même là-dedans, hein, avec les séminaires que je fais, j'attire beaucoup l'attention sur la nécessité de nourrir sa vie intérieure, c'est-à-dire vraiment de trouver une liberté intérieure, parce que voilà, nous allons, de par l'âge, je parle pour ma génération, moi je suis la génération d'après-guerre, de par notre âge, nous allons de toute façon vers un temps de plus en plus contraint. Et donc, c'est nécessaire de trouver cette liberté intérieure que Beckett avait. Et puis, à la fin de l'extrait que vous venez de nous lire, Maïlys Bessery, apparaît évidemment le nom de James Joyce, parce que c'est aussi l'histoire d'amitié qui traverse votre livre, qui revient à plusieurs reprises quand Beckett à Paris reçoit ce coup de couteau. James Joyce est là, dans l'hôpital. Ils ont ça aussi en commun, deux Irlandais, deux écrivains qui sont hors de leur pays. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'amitié dans ce qui les relie. Il y a un décalage de génération. Il y a un décalage de génération. Beckett va faire partie, à un moment donné, va être présenté par Thomas McGreevy, qui est devenu un grand critique d'art. Ensuite, en Irlande, il le présente à Joyce, puisqu'ils se retrouvent tous à Paris. Et Joyce vit dans ce qu'on appelle l'Odéonie à l'époque. Dans les années 20, il rencontre effectivement Joyce, qui va repérer tout de suite cet esprit vif de Beckett. Mais Beckett, à l'époque, c'est un écrivain qui n'écrit pas. C'est un écrivain qui n'arrive pas encore à débloquer cette écriture pour des raisons complexes qui apparaissent par bribes dans le récit aussi. Et donc il va y avoir ce lien de maître à disciple, je dirais. Beckett va être les yeux de Joyce qui perd la vue, qui est très malade des yeux et qui va aimer cette amitié, ce compagnonnage, mais il va beaucoup utiliser Beckett. Beckett en a conscience, mais pour lui, Joyce est le maître. Joyce représente c'est un monument absolument inimaginable pour nous, pour les Irlandais. Il a été très difficile pour les Irlandais d'écrire après lui. Il y a l'ombre de Joyce qui plane. Alors pour ceux qui, comme Beckett, l'ont rencontré, l'ont côtoyé, c'est absolument, il y a quelque chose de très pesant. Et finalement, Beckett, c'est quand il va quitter sa langue,
quand il va quitter l'anglais, et l'anglais de Joyce, l'anglais irlandais, qu'il va finalement réussir à écrire. Même si avant, il avait écrit Murphy, il avait écrit voilà, un petit peu en anglais, mais c'est essentiellement en français que va se faire l'œuvre, notamment parce qu'il y a cette ombre du maître. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était l'idée selon laquelle aussi on écrit avec ses maîtres. Il n'y a pas de volonté chez lui de les combattre. Il assume cette émotion en fait, de lecteur. Et il devient écrivain parce qu'il a aussi ces mots-là en lui qui l'ont touché. Et c'est vrai que l'idée que les écrivains sont avant tout des lecteurs, finalement, c'est à travers la lecture d'autres qu'ils ont pu faire aviser leur regard aussi d'écrivain, me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que c'était aussi cette idée-là d'écrire sur Beckett, c'est-à-dire que d'assumer en fait d'arriver d'entrer en littérature alors même qu'il y a eu tous ces géants avant, mais que ça devienne, au lieu de devenir quelque chose de plombant ou de complexe, que ça soit finalement quelque chose de ludique, quoi. Et pourquoi pas le mettre en héros du livre, et pourquoi pas jouer avec lui et finalement l'amener sur son propre terrain tout en faisant autre chose. Donc je trouvais finalement qu'il y avait comme ça une importance des écrivains pour Beckett qui est un attachement aussi à la langue. Vous avez raconté au moment de la rencontre avec Joyce qu'il est un écrivain qui n'écrit pas encore. Beckett, et quand on le rencontre dans votre livre, c'est un écrivain qui n'écrit plus vraiment non plus. Hein. Le psychologue note bien, ça se passe bien parce qu'il écrit tous les jours. On ne sait jamais ce qu'il écrit. C'est quoi un écrivain qui n'écrit plus ? Ben ça, c'est vrai que c'est la grande question. Hein. Même quand il imagine qu'on va l'interroger, il se dit « Allons, ben alors, est-ce que vous écrivez encore ?»« Ben non, plus vraiment. » Alors voilà, mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? J'écrivais. Donc il y a quand même ce côté un peu absurde. Il écrit dans le sens où il se raconte toujours des histoires. Et il imagine toujours ce qui va se passer. Il entend les bruits des activités dehors et il y a tout d'un coup 10 noms de cris d'oiseaux un peu moqueur pour qualifier ses voisines de chambre qui lui viennent. Donc, il y a quand même, pour moi, la permanence de l'écrivain à travers cette manière de façonner des histoires, de faire jaillir des mots dans les deux langues. J'aimais l'idée qu'à la fin de sa vie, l'anglais revienne. Alors, l'anglais n'est jamais parti, mais quand même, l'œuvre a été faite en français. Il s'est traduit lui-même, ce qui a donné l'occasion presque d'une deuxième œuvre, parce qu'il a évidemment changé des choses en anglais. Et en même temps, on le reconnaît complètement. Et donc, j'aimais bien l'idée que l'anglais revienne, quoi. Revienne parce que c'est la langue maternelle, parce que c'est la langue dans laquelle il a été élevé. Et en même temps, le français est la langue qu'il a désinhibée, parce qu'il n'a jamais été grondé en français. Il n'a jamais été à l'école en français. Donc, il y a finalement quelque chose de l'ordre de la langue affective, qui finalement est rattachée à une forme de douleur quand même, à ce lien à la mer compliqué, à des douleurs liées à cette Irlande rigide aussi, hein, qu'il a quittée, c'est cette Irlande des années 20 quand même. Il a cette phrase extraordinaire, Beckett, pour dire qu'il préfère la France en guerre à l'Irlande en paix. Il est reparti en France, y compris pendant la guerre. Donc il y a cette liberté qu'il a trouvée dans la langue française, dont il s'est accommodé d'ailleurs d'une manière très intéressante, parce qu'il y a une vraie colonisation de la langue par Beckett. Il utilise le français, il décale, il met des points au milieu des phrases, il enlève les adjectifs, il met les verbes à l'infinitif, il s'amuse beaucoup, il prend des libertés énormes avec le français. Et il nous apporte des structures grammaticales qui viennent de son anglais. Et à travers ça, il change complètement la langue. Et ça, c'est une richesse énorme que d'avoir hérité de cette langue vue de l'extérieur. Est-ce qu'il est aussi dans ces derniers temps, et peut-être que Marie Nozel pourra aussi réagir finalement un écrivain dans sa vie ces derniers jours, parce que vous racontez une histoire d'un enquiquinement face à ce qu'il appelle la procureure qui vient l'embêter parce qu'il a mis un pantalon plein de biscottes là où il ne fallait pas, et qu'en gros il trouve qu'il y a deux manières d'échapper à cela, soit de mourir, soit de faire semblant d'être fatigué, et il joue de cela, il ferme les yeux. Il est un raconteur d'histoire, un fictionneur jusque dans la réalité. Mais il se distrait lui-même, hein, avec son monde intérieur. Mais c'est ce que font aussi les écrivains. Oui, il a des miettes dans les poches parce qu'il partage ses biscottes avec les oiseaux. Il aime nourrir les oiseaux. Et donc, il se fait engueuler parce qu'il a failli casser la machine à laver en fait, de la maison de retraite. Et donc, il a une sorte de dragon
qui vient justement le réprimer dans sa chambre et qui lui sort la moitié du règlement, quoi. Et ça, il y a une fascination chez Beckett pour le langage administratif. Ça, il faut quand même le dire, c'est très présent dans sa prose notamment. Et donc ça l'amuse énormément parce que finalement, que la langue puisse devenir aussi rigide comme ça, la consigne froide, sèche, tout dans l'écriture lui plaît. Et il écoute ça justement avec son oreille anglophone. Donc ça l'amuse, quoi, ces mots employés. Alors après, sur la question de fuir à la contrainte extérieure par, oui, soit il met son masque à oxygène, soit il fait semblant de mourir. Il y a cette question-là, mais en réalité, c'est une question qui, derrière la blague et la farce, est une question peut-être qui se rapporte à la question de la chambre et de l'écriture. Finalement, cette deuxième réalité, ou cette fuite, mais ce n'est pas une fuite, c'est une chambre intérieure, quoi, qu'il a avec l'écriture, c'est sa manière à lui de supporter la vie. La clé dont parlait Marie de Henzel, il l'a trouvée depuis longtemps, Beckett, pour lui. Cette ressource intérieure-là, puisque quand il a une vingtaine d'années, il a un épisode plus que dépressif extrêmement grave qui le met vraiment en péril. Et donc, à partir de là, il fait une psychanalyse avec Bayonne à Londres. Il va y avoir. Et la ressource, ça va être de partir loin de l'Irlande, loin de la mer, de sa mère, et puis d'écrire. Et cette ressource-là, elle lui sauve la vie d'une certaine manière. Elle lui permet de vivre. Donc, effectivement, la question de la fuite, en tout cas de la chambre intérieure, chez lui, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Donc, ça lui rend tout supportable. Et au contraire, j'ai envie de dire, le changement de décor, l'arrivée dans le huis clos de la maison de retraite, ça renouvelle le matériau littéraire. Parce que là, il assiste à des choses qu'il ne connaît pas. Et ça lui rappelle presque le pensionnat de garçon. Il n'a plus vécu la collectivité depuis son adolescence. On a beaucoup parlé avec toutes les deux du monde intérieur, notamment des résidents. Mais Marie de Henzel, je voudrais vous entendre sur la question aussi des soignants qui ont été confrontés à des fins de vie très particulières depuis une année, puisque vous leur consacrez quand même toute une part. Il y a la famille, hein, mais il y a aussi les soignants. Leur monde intérieur à eux ou le temps que ces soignants avaient pour eux-mêmes, qu'en a-t-il été ? Écoutez, on a essayé pendant le premier confinement de mettre en place un soutien psychologique des soignants, des plateformes de soutien, et je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas le temps de faire appel à toutes ces ressources qui ont été offertes, car c'est vrai que les soignants étaient en guerre. Hein, D'abord, ils étaient beaucoup moins nombreux. Il faut dire qu'il y a beaucoup de soignants qui ont été atteints du Covid et que les équipes ont été rétrécies. Donc, ils avaient énormément de travail. Cette adaptation, l'adaptation à un mode de vie complètement différent, avec tout le poids d'une action qui va à l'encontre aussi des valeurs que l'on porte, c'est extrêmement lourd. Très perturbant. Il faut dire que les soignants étaient dans des dilemmes, souvent tentés par l'absentéisme, hein, pour justement ne pas courir le risque de contaminer leur famille, leur mari, leurs enfants, et puis en même temps le sentiment que si elles s'absentaient, les collègues allaient avoir une tâche de travail encore plus lourde. Donc des vraiment beaucoup d'anxiété, beaucoup de ces dilemmes éthiques, malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'aide. Ils n'ont pas trouvé d'aide, sauf à l'aide que chacun peut trouver dans des circonstances comme ça, de catastrophe, de guerre, c'est-à-dire l'aide qui est apportée par la solidarité des uns avec les autres, le petit mot d'encouragement d'un collègue, d'un supérieur. On trouve de la force, effectivement, dans la solidarité. Mais je pense que beaucoup ont été épuisés et le sont encore, d'ailleurs. Parce qu'il y en a, vous rappelez, il y en a qui sont carrément enfermés pendant quelque temps avec les résidents. C'est même plus un métier, là, on est au-delà du métier. Oui, il y en a qui ont fait ce choix, qui est un choix qui est
bon, qui a été assez contesté aussi parce que c'est vrai que les, je dirais, les responsables d'associations, de directeurs d'EHPAD, etc., ont trouvé que c'était aller trop loin et qu'il fallait justement que chacun ait aussi son espace chez soi pour pouvoir se ressourcer. Je pense que certains soignants se sont effectivement fait un choix qui était vraiment très très lourd, je ne crois pas qu'actuellement ce soit le cas dans le, je dirais, ce qui se passe depuis le premier confinement. En tout cas, ce sont des soignants qui ont été en souffrance, certes. Et moi, je ne suis pas la seule d'ailleurs, nous préconisons, c'est que, avec un peu de recul, il y ait vraiment la possibilité de parler de ce que l'on a vécu, de mettre ça sur la table, de façon à ce qu'il y ait une réflexion d'équipe autour de ce qui s'est passé, une reconnaissance aussi de cet investissement et une réflexion sur comment faire pour la suite, hein, pour rester, pour pouvoir à la fois être ce dilemme de protéger sans isoler, hein, c'est le mot d'ordre actuellement, protéger sans isoler, mais ça ne peut se faire qu'avec une réflexion qui, malheureusement, je crois que les soignants n'ont pas eu encore le temps de se réunir pour ça, d'avoir des groupes de parole. Il y a eu aussi des plateformes dans lesquelles on a essayé de leur donner des petits trucs pour les inviter à méditer, par exemple. Moi, je sais que sur une plateforme de soutien, j'ai donné cette idée aussi de prendre trois fois 3 minutes dans la journée pour ne rien faire d'autre que être là et puis respirer, reprendre du souffle. Ce sont des toutes petites choses, mais qui sont opérationnelles, qui aident, hein. Donc il y a eu beaucoup de petits trucs comme ça qui ont été diffusés aussi. Voilà, ils ont eu aussi cette reconnaissance à 8 heures le soir de toute la population qui leur faisait du bien. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, il y a une lassitude. Il y a une lassitude très grande chez les soignants. Il y a un contre-coup, hein, et qui est d'autant plus inquiétant que ce n'est pas fini. Et oui, c'est malheureusement sur cette note pessimiste que nous allons nous interrompre. Pour en savoir davantage, je renvoie donc Marie de Henzel à votre livre « L'adieu interdit » qui est paru aux éditions Plomb. Et pour découvrir les, je ne vais pas dire 3 mois, parce que c'est juillet-août et un petit peu début décembre 89 pour la fin. Optimiste pour le coup, optimiste. Optimiste, voilà, de Samuel Beckett. C'est donc le tiers-temps, le titre de votre premier roman, Maëlys Bessery. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette conversation pour le festival Jardin d'hiver. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez donc suivis et puis rendez-vous bientôt pour d'autres rencontres. Je pense. Vous-même, de toute façon, ils couperont puisque voilà. Ça a été pour vous, madame.